mon démarrage de collection, c'était le trompe-l'œil, en fait. Donc j'ai travaillé beaucoup la maille, pour, d'ailleurs je commençais le défilé avec ça. Et là après pour le tailleur, costume, j'ai pas fait le côté masculin habituel, je l'ai fait plus féminin avec ces histoires de trompe-l'œil. Donc voilà, c'était travaillé comme ça. Et j'ai travaillé après, un petit côté surréaliste aussi tiens, dans la collection peut-être. Et à la fin j'ai travaillé beaucoup le soir avec cette mémoire de dévorer mais qui n'est pas vraiment. Et j'ai mélangé de l'imprimé dans le côté un peu plus 40 avec des broderies. Moi, j'aime toujours l'embellissement de la broderie, donc j'ai travaillé ça. J'ai tellement emmagasiné d'images que finalement, je travaille très organiquement maintenant. Je ne commence pas vraiment en me disant « je vais faire ça », mais je commence à travailler petit à petit, je modifie et j'arrive à aboutir à quelque chose aujourd'hui qui correspond à ce que je suis aujourd'hui.